La façon qu'on a vécu ici, nous, depuis le début, c'est quelque chose que tu veux pas perdre. Parce que c'est pas juste une place, une maison sur la plage ou ces choses. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça rappelle avec une certaine façon de vivre avec la nature. Parce que c'est ça qui nous garde vivants. On est nature. Sur la mer, là, devant Tofino, c'était un village de bateaux. Ça, c'est dans les temps où on est arrivé, tu vois, c'était comme ça. Dans ce temps-là, il y avait peut-être 2-3 surfeurs dans l'eau. Mais maintenant, il y en a tellement que tu les trouves plus, hein? Mais moi, je surfe pas, mais j'ai encouragé mes enfants à surfer. J'ai acheté l'outil, ils ont appris tout seul, hein? On n'a rien à enseigner. C'est la mer qui enseigne, hein? Puis, pour apprendre le surfing, c'est définitif. Il faut que tu sois dans l'eau, il faut que tu regardes la mer, il faut que tu connectes avec, il faut que tu l'écoutes. Puis, il y a eu la chance, Caleb, d'apprendre encore plus vite parce qu'il était déjà immersé dans les enfants. C'était mes enfants, ils sont encore dans l'eau, puis ils doivent rester dans l'eau. C'est trop difficile sur la terre. Les éléments de la nature sont créatifs. Ils veulent nous enseigner tellement, mais il faut le vouloir, hein? Il faut qu'on le fasse. Tu peux pas seulement juste être un surfeur, non. Quand tu as maîtrisé quelque chose, plus aller plus loin, ça veut dire que tu dois le prendre puis l'apporter ailleurs et maîtriser la prochaine étape. Être capable de nourrir, avoir une maison, c'est, je dirais, les deux choses les plus importantes de ta vie. Le computer, il va pas aller chercher un chevreuil, hein, quand tu as faim. C'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on regarde différemment. La nature, c'est trop important. Tu peux avoir 100 000 surfeurs, puis tu vas voir que celui-là est différent. C'est à cause de ces sortes d'enseignements qui sont tellement importants dans la vie. Pointe pas là-bas, puis il y a un hôtel où tu peux dormir. Là. Non, non, non. Ah, non. Oui, exactement. Imagine comment ça, c'est bon. Tu dois jamais perdre le primitif, hein, en dedans de toi.